このユニフォームは誰にも渡さない。俺も世界を舞台にサッカーをしていくよ。Et yo tout le monde, c'est Skippy, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team pour le Super Dream Fest qui est enfin là, après s'être laissé désirer pendant 2-3 jours, parce qu'on connaissait déjà le rate-up, ça fait super plaisir, et l'intro, vous l'avez vu, l'intro qu'ils nous ont pondu là, elle est vraiment magnifique, c'est la plus belle qu'on a eue depuis la création du jeu, très clairement, et on a 43 cadeaux lors de la connexion, on va voir s'il y a des Dream Balls. Comment ça? 187 Dream Balls. Bon bah ça va faire très plaisir à mon compte secondaire. Mais 187 Dream Balls en un jour, comme ça en une connexion. C'est la première fois qu'on en a autant lors d'un Super Dream Fest. Et d'après ce que j'ai vu sur Twitter, je tiens à souligner quand même qu'il y a un très bon point positif pour cet anniversaire, c'est que Club a été généreux sur les Dream Balls. Ah, il faut le souligner, il y a eu plein de points négatifs sur Stanif. Mais là, il y a du positif, on va le dire. Donc ici, voilà. Misaki tout seul, comme je vous l'avais dit en commentaire de la dernière vidéo informative, et on a Naturezza qui sera avec le Roberto Club vert que je pensais, donc vu qu'il y a le Meta Club en ce moment, un peu hybride, je l'aimerais bien, forcément. Et donc voilà les cartes, je vous passe les reviews, j'ai fait une vidéo consacrée à ça, et en concernant ce compte, merci beaucoup à Antoun pour m'avoir donné ce compte pour fêter cet anniversaire avec vous. Donc il y avait 8000 Dream Balls au départ, on en a invoqué près de 5000, c'est énorme. On s'est fait bien plaisir sur cette anif, il y avait des milliers de tickets, on a fait tout ça ensemble, j'espère que ça vous aura plu. Et aussi, comme vous le voyez juste au-dessus du jeu, de l'overlay, il y a le dernier abonné Herolo, merci à toi poto, c'est un ami à moi, et il a souscrit à la chaîne avec un abonnement payant, donc un tout grand merci à lui pour son soutien. Ça fait super plaisir. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les souscriptions sur la chaîne, je vous mets ici, juste en haut à droite de l'écran, la vidéo qui en parle. Voilà, je vous parle un peu des privilèges auxquels vous aurez droit. Sur ce, on va commencer sans plus attendre. Pour Misaki, en premier, la pity, c'est 1150 Dream Balls. J'en ai 3500, donc j'ai assez pour aller chercher les deux joueurs. C'est parti. 3 multi plus une gratuite. Bon, j'espère avoir plus de chance que Genzo. Il me semble que Genzo, on l'avait eu quasiment presque à la pitié. Hein. Rappelez-vous. Bon, là, par contre, je sais que maintenant, je suis large en Dream Balls. Je vais étendre mon stockage parce que j'en ai marre à chaque fois d'aller étendre. Voilà. Hop. C'est parti. Deuxième multi. On n'aura rien du tout. Bon, pour le moment, ça pue un peu. SSR, alors probabilité, j'ai oublié de préciser, SSR 10% sur le portail Misaki et SSR 5% sur le portail de la Naturezza, c'est une fraude, mais bon. Les premiers SSR qui tombent sur le palier 3. Alors, ici, ça brille pas, donc c'est peut-être un Misaki avec un autre maillot, mais si vous voyez que ça scintille, 100% de chance c'est Misaki, mais avec le maillot du rate-up, donc le maillot à 97. Donc là, est-ce qu'on aura peut-être déjà un Misaki? Oh, il y a un deuxième qui pop. Ok, on a Schneider et on a Surimachi. Bon, c'est pas ce qu'on voulait, mais au moins on a de la SSR. Multi gratuite de la première rota. Let's go. On va quand même surveiller en même temps la pity, hein, parce que ce serait dommage. C'est toujours bien la même, hein, ça ne change pas. Vous voyez tous les maillots que vous pouvez obtenir? Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Moi je voudrais trop le maillot Blue Lock. Celui-ci. Celui que je porte sur moi d'ailleurs en ce moment. Je l'ai mis pour porter chance. Hop, on va enchaîner. Pour le moment, il n'y a pas énormément d'SSR. Hein. C'est un petit peu nul. Ah, voilà. Il suffisait de râler un petit peu pour qu'on en ait une. Allez. Est-ce qu'on en aura même deux? Il y a le mariage de Tsubasa. Est-ce que ça porte chance? Bon, bah ça va péter. Mais il n'y aura pas deux SSR. Oh, les amis, j'y ai cru. Oh, je vous jure, j'y ai cru. La carte, elle ressemblait un peu. Bon, bah c'est Matsuyama. Et pas de Misaki pour le moment. Et allez, hop, festival SSR. On a Misaki ici, on a Tsubasa ici, le meilleur duo. Souvenir doré, donc on va avoir deux SSR. Ok, allez. Et tu me régales. Salinas. Cruyford. Comment ça?
Je l'avais pas déjà sur ce compte, le Cruyform ? Ok, bon, j'aime bien la carte, donc je vais pas râler. Mais si tu pouvais me donner un Mickaël, ça me ferait super plaisir, parce que j'ai pas Mickaël sur ce compte, et j'aimerais bien pouvoir le jouer. Un Mickaël, c'est le GOAT. Bon. Multi gratuite, encore une SSR. Même deux SSR, wow. Allez, finalement, voilà, le drop, le taux de drop, il est bien, là. C'est... Le jeu nous met bien, pour le moment. On a une Dreamfest. Allez. Oh! Bon, je râle un peu, mais c'est le dernier Genzo Super Dreamfest en date. Celui qui est sorti juste avant le Dreamco. Donc je ne m'attendais absolument pas à l'avoir là tout de suite sur ce compte. Donc voilà, je pense que je vais mettre son arrêt sur le Genzo que j'ai. Hein. Mais vraiment, ce Genzo, il fait plaisir. Hein. En plus, moi je l'ai dans son maillot officiel, sur mon compte principal. Ici, je l'ai dans son maillot du manga, donc le manga maillot Rising Sun. Bon, voilà, c'est après un... Oh! Oh, le Misaki qui tombe. Le Misaki qui tombe avec ce Genzo. Oh, le maillot vrai, il est incroyable. Hein. Le maillot, il est vraiment magnifique. Hein. Ah, je préfère le screen, on voit les TS. Regardez-moi ça, les amis. Oh, en vrai, je suis content d'avoir ce maillot. C'est mon deuxième préféré. Ok, bah on va ça. Une quatrième SSR? Pardon. Mais cette multi, les gars, elle est légendaire. Hein. Très clairement. Bon, eh ben, on venait juste de finir la rota. 300 Dream Balls. On a déjà un Misaki, on remballe les bagages, on va aller sur le step de Naturezza. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi rapide. Naturezza, 5% de chance d'avoir un SSR, et moi je voudrais bien Roberto. Dès que ça scintille, c'est que c'est un des deux, parce qu'il n'y a pas d'autre maillot. Dites-moi en commentaire en combien de Dream Balls vous avez eu, Misaki, et si vous l'avez eu d'ailleurs. Bonne chance à vous pour vos invocations, cela dit. Quoi? On commence avec deux SSR d'entrée? Non, mais c'est un braquage, les gars. Je suis désolé si vous droppez pas à cause de moi, parce que là, je suis en train de prendre les drops de tout le monde, là. C'est... Voilà, ici, on... Ouais, ça, c'est un peu nul, par contre, mais deux fois le même. Ah, bah, il serait peut-être temps de vendre un petit peu, hein. Ok, les amis, j'ai vidé la box. On a mis que 50 Dream Balls, et on a déjà eu deux SSR sur le portail Naturezza. C'est un braquage, mais on devrait en avoir moins, parce qu'il y a la probabilité qui est deux fois plus faible que sur le portail de Misaki. On l'a bien vu que les SSR 10%, du coup, c'était peut-être vrai, ils ont vraiment réellement augmenté les drops, c'était pas du mytho. Parce que, preuve à l'appui, hein. On va pas se mentir là-dessus. Première rota, on est sur la gratuite. SSR encore, oh là 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 là. Allez. Un des deux, ce serait cool. Et on en aura pas, parce que ça ne s'attille pas. Et on a un vieux Kishida. Alors on entame la deuxième rota. J'espère ne pas devoir aller pitié un des deux, comme ça je garde un max de Dream Balls, parce que post-anniversaire, il y a quand même des petits portails intéressants qui sortent en général. Et au moins ça pourra un peu continuer la durée du compte. Ok. Allez, ces serres se sont un petit peu calmés. Avant de revenir. Bah, ça va et ça vient, c'est comme la crypto. Hein. Oh, l'équipe brésilienne, sympa, l'artwork. Oh, ça y est, on a un des deux. Sabri, on a soit Naturezza, soit Roberto. Allez, donne-moi Naturezza en premier pour être sûr. Ah, c'est la dernière carte en plus. Let's go. Oh, alors on braque. C'est un braquage, mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Allez, non. La vidéo dure un peu moins de 10 minutes, en vrai. Pour la durée, c'est bien. On aura fait un beau braquage. J'irai sûrement pitié le Roberto derrière. Bon, bah, les amis, concrètement... Ah ben, bah, on a la gratuite. On va la faire. On a mis 300 Dream Balls pour Misaki. 300 Dream Balls pour Naturezza, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois bien que c'est ça. Oui. Bon, bah, on a eu énormément de chance, les amis. C'est un truc de fou furieux. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, désolé de vous avoir piqué vos drops. Voilà, moi je vais garder toutes ces 3000 Dream Balls là, enfin je vais chercher Roberto puis garder le reste pour la suite de l'anniversaire. Et ne quittez pas parce qu'on va se retrouver sur mon deuxième compte pour faire le rotage, j'ai 200 dB à peu près, donc ça ira très très vite. Mais j'espère avoir autant de chance que sur ce compte. Ok les amis, on se retrouve sur mon compte principal. Pour rappel, je vous remontre mon équipe, c'est un petit peu la dash sans Genzo. Voilà, mais on a l'ancien Misaki, si je pouvais le remplacer par le nouveau, ce serait sympathique, voilà. Donc on va aller voir des cadeaux. Est-ce que j'aurai plus de Dream Ball sur ce compte, vu que je l'ai beaucoup plus rentabilisé?
227. J'ai eu 40 Dream Balls de plus. Bon, les gars, là, j'ai 300 Dream Balls. J'ai eu Misaki en 300 Dream Balls sur l'autre compte. Si je peux l'avoir ici, mon compte est sauvé. Je peux continuer le PVP avec ce compte. C'est pas grave, j'ai pas besoin d'avoir Genzo, j'ai juste à marquer plus de buts que l'adversaire, et voilà, c'est bon. Bon. Allez, 300 Dream Balls pour faire l'exploit Misaki, pour sauver mon compte. Mais ça, c'est la première multi, c'est pas grave, on sait bien que Club aime bien prendre les premières multi, ça c'est... On va se justifier comme ça, on va l'excuser. Voilà, là j'aime bien. Là j'aime bien. Voilà, Misaki ici, Tsubasa ici. On a les waifus. Eh, les waifus, c'est mythique sur la chaîne. Est-ce que c'est un Misaki? Si tu me le donnes dans le maillot Blue Lock, alors là c'est Gucci les gars, je vous le dis, c'est... Oh, c'est Yuga. Bon, c'est pas grave. Ah ouais non, mais par contre sur ce compte j'ai pas usé 40 Dream Balls pour étendre mon stockage. Donc je vais passer mon temps à vendre, mais j'ai pas la foi. Mais y a pas le choix. Oh, faut que je fasse du mixeur. Ok, troisième multi de la première rota. Ouh. Ouh. Double SSR encore. Les souvenirs dorés. Boum. Allez, tu me donnes un Misaki, s'il te plaît. Non, mais Kishida, mais je t'ai eu sur l'autre compte, là. Pourquoi tu reviens ici? Gamo. Voilà, c'est même pas... On a même pas du Dreamfest, les amis. Là, c'est un peu une fraude, ce compte. Bon, la zéro... la multi gratuite. Non, le jeu, il est méchant avec moi. Le jeu, il m'aime pas sur ce compte. Il me donne pas Genzo. Tu me donnes au moins Misaki. Allez. Allez les waifus, bon, vous m'avez trompé là, mais c'est pas grave, vous pouvez encore vous racheter. Allez. Mec, arrête de me suivre. Je t'ai déjà eu sur l'autre compte. Je te joue dans mon équipe. Explosé au maximum. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi? Tu veux que je te sacrifie pour le prochain Cruyford? C'est ça que tu veux? Ah bah c'est ce qui va se passer. Mais ne viens plus. Non, mais c'est pas possible. Allez, hop, deux multi, il reste. Il y a plus d'enjeux sur ce compte, les gars. De toute façon, le compte reroll, là, il est bien mieux. Hein, mais bon. Allez, hop, c'est la dernière multi, les amis. La dernière multi avec des Dream Balls. Dernière multi, les amis. Ça va être dur, hein. Ok, SSR. Flèche arc-en-ciel, ça, j'aime bien. On a de très belles flammes. On a toute l'équipe. On a une petite waifu. On a deux SSR. C'est le moment, c'est l'apogée de la vidéo là. Si tu me donnes Misaki maintenant, je suis refait. Oh non, c'est Nita ça. Pasquale, mais non, mais dégagez. Multi gratuite, c'est l'ultime. Là, si je l'ai pas, mon compte est foutu. Hein. Oh bah, en fait, j'ai volé ma propre luck sur l'autre compte. Hein. Quoi? Deux SSR? Alors que la cinématique, elle était éclatée. Bon, je vais pas râler, mais par contre, on a deux SSR par multi. Je dis ça, je dirais, mais le taux de drop, il est insane. Non. Non, mais c'est pas vrai. Les amis, j'ai niqué mon compte. Ça y est. J'ai pas Genzo, donc ça veut dire que je prends plein de buts. Et j'ai pas d'attaquant pour marquer à l'autre Genzo qui est abattable. C'était le seul qui... C'est lui, avec Natureza, c'est les deux seuls qui marquent à Genzo à l'heure actuelle. Donc, ok, bah, je m'attends à prendre 10 buts par match. Hein. Je vais me prendre des 10-0 maintenant, ça y est. Il me reste 20 Dream Balls. Jusqu'au dernier jour, je vais faire des multis. On a un événement en ce moment à farmer. On va avoir les Dream Balls du PVP. Il va y avoir beaucoup de choses à farmer. Donc, je ne baisse pas les bras. Je ferai des multis de mon côté. Et je vous tiendrai au courant sur les réseaux si je chope. Mais ouais, moi j'y crois, elle jusqu'au bout. Bah du coup les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une vidéo test de ce Misaki face à Genzo et de Natureza sur l'autre compte. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour le soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Dites-moi votre avis
en commentaire sur ce que vous avez pensé de mes drops. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, c'est mon test Skippy et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Koko no minna ni, misetsukete.